Il y a moyen de faire des trucs, hein, mais bon. C'est un peu ce que je redoutais. Pour avoir fait les Resident Evil à fond, c'est un peu ce que je redoutais. Et probablement... Oh, il y a quelqu'un qui a spawn là? Oui. Va aller au loop. Il y a une pelle ici. Et hop, un fake. T'en veux un autre? J'en ai d'autres, hein, si tu veux. Pas de soucis, moi je t'en donne quand tu veux des fakes. Il y a quelqu'un qui est ici. À prendre la fenêtre. Non, elle s'est bloquée. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Ah mais... LOL. Ok, t'as une flash mais laisse-moi t'expliquer un truc. Ta flash ne fonctionnera pas. Hein. Regarde, il va essayer de venir, sa flash fonctionnera pas. Oh, elle est dans le dos, d'accord. Mais mec, les gens, arrêtez de flasher dans le dos. Vous savez très bien que les yeux là, ils sont pas derrière. Hein. En plus, elle était contre un mur, donc la Laurie est très conne de se mettre là. Hein. Genre, elle s'est mise à un spot où elle pensait qu'elle pouvait se faire safe flash, mais il y avait un mur. Hein. J'avais juste à rester comme ça, il pouvait jamais me flash. Hein. Dans le doute, je check. Même si je pense pas qu'il est là, mais... Ouais, non. On va aller check les gènes, bien sûr. Pas celui-là. Vraiment? Oh putain, je viens de te voir, toi. Hop là! Deuxième fake. Encore une fois, si vous voulez main Amanda, c'est vraiment le truc qu'il faut absolument apprendre, ça. Si vous voulez devenir un monstre avec, il faut absolument que vous appreniez ça. C'est ce move-là qui vous fera gagner tellement de parties, mais genre vraiment. C'est vraiment un move de fou, j'exagère pas. Elle m'a vu. Encore une fois, tomber sur elle, mais j'ai pas envie. Oui, ça passe. Bonjour toi! Je t'ai vu. La Laurie elle est trappe donc je m'en fous. Oh putain je... Genre ce hit tu t'es laissé avoir quoi. Normalement ce hit vous le prenez jamais hein. Bravo le dédard qui t'a servi à rien du tout. Il a swap sa flash, ok. Vas-y, fais-la tomber que je rigole. Ok. On va récupérer la Jeanne, qui va se foutre sous palette. Je vous dis à chaque fois, hein, bait les palettes, ça fonctionne toujours. Hein. C'est un truc qui fonctionne à chaque fois. Hein. Il va la faire tomber, je vais rigoler. Mais ils font exprès ou quoi, sérieux? Ils font vraiment exprès, genre je déconne pas, ils font exprès, c'est pas possible. Ah, je suis sûr, il y en a des fois, je me demande s'ils font exprès. Hein. Encore une fois, non, je ne tryhard pas, hein. Contrairement à ce que certaines personnes pensent, je n'aime pas le tryhard. Hein. Ouais, je vous le dis, j'aime pas ça, hein. Je tryhard jamais dans les jeux. Hein. C'est pas mon truc, et pour avoir joué en team, je peux vous dire que c'est pas mon truc. Hein. Parce que j'en ai fait des teams des BD. Hein. Il a des darts, c'est un David. Merci DBD parce que le hit passait là, mais c'est pas grave. Ça, c'est une erreur aussi. Il reste groupé au même endroit. C'est une grosse erreur. Faudrait qu'il y en ait au moins un qui reste à l'aller. Il y a vraiment Rashkit. Putain, mais c'est incroyable. Je vous le dis vraiment, les gens font exprès, c'est pas possible. Rashkit pour rien. Genre, le mec, je l'ai hook même pas une fois, je crois. Et le gars a déjà Rashkit. C'est normal, ils font exprès, c'est pas possible. Ok, lui je peux pas le dash, il connaît la technique. Du coup je vais faire un autre truc. Plutôt que dash, quand vos dash passent pas, commencez à charger puis relevez-vous. Parce qu'il va entendre le bruit, il va penser... D'accord, non mais c'est pas possible.
C'est incroyable, hein. Genre, vraiment, ils font exprès. Hein. Voilà. Bienvenue dans DBD, le jeu où les gens n'acceptent pas de perdre. Parce que c'est bien connu, dans un jeu vidéo, tu gagnes absolument à tous les coups, hein, surtout dans un jeu multijoueur. Où tu gagnes forcément tout le temps. Putain, ça, c'est un truc qu'il faut vous mettre en tête. Hein. Quand vous jouez à un jeu comme DBD, si vous acceptez pas le fait de perdre, ne jouez pas, en fait. C'est grave, là. On a que des rage kits pour aucune raison, là, depuis tout à l'heure. C'est grave, hein. What? T'as de la chance que le jeu est cool avec toi, hein. Salut Minay, comment tu vas? Comment vas-tu bien? Elle va aller au bus? Elle va même pas au bus, quoi. Elle a des dardes. Voilà. Ça va super! Bon, on tombe sur des gens qui n'acceptent pas de comprendre que dans un jeu, tu peux te faire down. Parce que c'est bien connu, quand t'achètes Dead by Daylight, c'est écrit en gros. Quand vous achetez Dead by Daylight, c'est écrit en gros. Vous gagnerez tout le temps et vous ne vous ferez jamais down par les tueurs. C'est écrit en gros. Sur la page du jeu. C'est un truc qui est bien marqué en gros, quoi. Genre, je peux pas te louper. Hein. Il va se faire down. Ils ont de la chance par contre, hein. Il y a deux hits qui sont censés passer, hein. Du coup, les gens, ils me font rire parce que tu les downes juste une fois. Je sais même pas, tu les accroches, juste tu les downes. Ils rage quittent. Genre, les gens, ils... C'est genre, non, dans ce jeu, je ne peux pas perdre. C'est pas possible. C'est bien connu, dans un jeu tout en ligne, je ne peux pas perdre. C'est écrit, hein, ça c'est bien connu, dans un jeu tout en ligne... Tu joues exclusivement multijoueur, tu ne peux pas perdre. C'est bien connu. Pourquoi j'ai fait ça? Je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Ils sont claqués. Hein. Ils sont vraiment claqués par contre. Hein. Enfin bon, avec des BD, au bout d'un moment, t'as l'habitude, hein. Regardez. C'est des bottes. Palette. Moi, je vois une palette, je la fais tomber tout de suite. C'est bien connu, mais les palettes, c'est mes amis. Les palettes. Moi, je fais tomber toutes les palettes que je vois, parce que je sais pas faire quelque chose d'autre. Je suis un bot. Voilà. Bienvenue dans des BD. Moi personnellement je m'en fous, hein. J'ai à gagner ou perdre, j'en ai rien à foutre. Mais de là à ce que les gens rage quittent, même si... Oh l'enfoiré! Ok, bon bah je vais jouer Blight après. Bon Blight est dégueu, je te le dis direct. Hein. Ankis il m'a fait jouer Act à l'heure, c'était moche. Il m'a fait jouer Act à l'heure, c'était trop moche. Au moins, il y aura peut-être un peu plus de challenge, étant donné que je sais pas le jouer, parce que là... Bon, ouais, c'est il, donc du coup, au revoir ton DS, hein, si t'en as un. Mais ils font exprès, c'est pas possible. Ils font... Non, mais je suis désolé, ils font exprès. C'est pas possible, ils font forcément exprès. Je sais pas, genre, je suis tombé sur... Ils ont activé le mode troll ou con, comment ça se passe? Tu les down, ils rage quitte. Tu leur mets un trap, ils rage quitte. Tu le vois, il rage quitte. Bientôt, tu vas lui dire bonjour, le mec, il va rage quitte, quoi. Genre, c'est ouf. Tu vas écrire bonjour dans le chat, le mec, il va rage quitte. C'est incroyable. Hop là, le bait qui est passé. J'aurais même plus la dash, en plus. Pourquoi tu t'y back, t'es nul à chier? Vas-y, regarde, prends-la. Elle a vraiment T-Bag alors qu'elle a pas joué de la game? Genre ils ont rien fait? C'est pas grave, je dis GG quand même, je m'en fous.